C'est difficile de se présenter parce qu'on ne sait pas de quel élément exactement les téléspectateurs ont besoin. Sinon, je m'appelle Kalele Kabila Mathieu. Bila, c'est mon nom. Kabila, ça signifie fils de Bila. Mathieu, c'est le nom qu'on m'a donné quand j'ai été baptisé. Le professeur Kalele est né à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, d'un père qui travaillait à l'époque à l'Union minière du Haut-Katanga. Très jeune, il est allé au Kasaï. Il a fait ses études primaires au Kasaï oriental, ses études secondaires au Kasaï occidental. Il est revenu à Lubumbashi pour les études universitaires en sociologie du développement jusque à sa licence. Il a enseigné à l'université de Lubumbashi comme assistant d'abord, et il est devenu professeur associé dans la même université. Après, il a fait plusieurs fois Kisangani à l'UNIKIS en qualité de professeur visiteur. En 92, il est venu à Kinshasa en transfert et il évolue à l'université de Kinshasa depuis 92. Il gravira les différents grades de l'université, les différents grades académiques, professeur associé, professeur, professeur ordinaire et professeur émérite comme dernier grade. À Lubumbashi comme à Kisangani, il assumera plusieurs cours, dont l'histoire socio-économique de l'Afrique et du Congo, sociologie de la connaissance et méthodologie sociologique. Il compte plusieurs publications, articles et ouvrages dont certains ont été primés. Parmi ceux-ci, il y a le Fonds monétaire international et la situation sociale au Zaïre en 1984, avait comme sous-titre Basusu na Bisengo, Basusu na Mawa. Le dernier de ses livres primé aussi, c'est L'Ouganda et le Rwanda. Non.
l'Ouganda et le Rwanda, je m'excuse, le dernier qui est primé, c'est l'Espagne et le Portugal en Amérique latine, comme l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo, avec comme sous-titre Makambo Mibale et Bomi Mboka Mobimba. Je crois qu'en termes de publication de parcours scientifique, on peut s'arrêter là-bas. En termes d'activité politique, le professeur Kalélé a été secrétaire national à l'organisation et à l'implantation de l'UDPS, puis directeur de cabinet à l'époque de 1 plus 4 sous la direction du professeur Zaïdi Ngoma. Il sera promu ministre de Mines à cette même époque là-bas. Depuis, il évolue dans la plateforme Lamouka comme président de son propre parti politique, le Front pour un nouveau type de Congolais, FNTC en sigle. Donc le professeur est à la fois un scientifique et un homme politique. Comme étudiant, le professeur Kalélé a été l'un des leaders étudiants à l'université de Lubumbashi. Il a dirigé plusieurs manifestations étudiantines. La dernière grande manifestation en 71, il était déjà en dernière année de licence. Il sera arrêté, envoyé à Kitona, libéré, rentrera à Lubumbashi. Il sera exilé en Zambie, passera quelques mois à l'université de Lusaka. De retour de Zambie, il sera effectivement arrêté, toujours comme leader étudiantin, relégué à Kabinda au Kasaï oriental. De Kabinda, il sera réarrêté, mis dans un avion militaire, convoyé à Mbujimayi, de Mbujimayi à Kinshasa. Il comparaîtra devant le président Mobutu à la cité de Loyua pour se justifier. À cette occasion-là, comme à plusieurs d'autres, parce qu'on ne va pas entrer dans tous les détails, le professeur Kalélé a eu à plusieurs reprises à frôler la mort au cachot et en prison. Sa dernière prison, la plus longue, c'était à Kinshasa, après l'entrée de l'AFDEL. Il a protesté contre la recolonisation du pays par les Rwandais
et les Ougandais. Il a été amené à comparaître devant la cour d'ordre militaire comme qu'il a condamné à 20 ans de prison. Mais il en a expiré 2 jour pour jour. Bon, les 18 autres, je crois qu'on a fait grâce. De toutes les façons, on m'a dit après 2 ans que je pouvais sortir de la prison. On m'a ramené à la maison. Bon, pourquoi, je ne sais pas. De toutes les façons, quand je termine ma licence en sociologie, je suis retenu assistant. Je ne m'y préparais pas. À l'époque, quoique les étudiants brillants se voyaient proposer la carrière d'assistant à l'université. Ça a été également mon cas. On m'a offert ce poste-là d'assistant. J'ai accepté. J'ai commencé à évoluer comme assistant, mais on m'a fait sauter quand même un grade. Je n'ai jamais été chef de travaux. D'assistant, je suis passé après ma thèse, professeur associé, et j'ai continué. Il faut aussi ajouter que je n'ai jamais fait la septième primaire. On m'a fait sauter la septième primaire Pourquoi? pour entrer en première, secondaire. C'était quoi? C'était Bon, non, on estimait que j'avais les capacités nécessaires pour enjamber un certain nombre d'années. De toutes les façons, j'ai enjambé 3 fois des années au cours de mes études. Bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans la politique, j'ai évolué comme opposant à l'époque du maréchal Mobutu. J'ai traversé des périodes très sombres, très risquées. Tout ce que l'UDPS a connu avec Monsieur Étienne Tshisekedi, je l'ai connu. J'ai pu côtoyer ce personnage et risquer à plusieurs reprises, ma vie. J'ai côtoyé plusieurs hommes politiques. Oh. J'en ai trouvé des très intéressants qui m'ont formé. J'en ai aussi trouvé de moins intéressants qui m'ont fait vivre le vagabondage politique Qui par exemple? comme ça se déroule maintenant. De toutes les façons, quand je suis en prison à Makala, c'est à l'époque de Laurent Désiré Kabila qui venait d'arrêter beaucoup d'anciens politiciens de Mobutu et des PDG de l'époque. C'est en prison que je côtoyerai les personnalités comme Kitima, des personnalités, des banquiers comme Buenda, comme Diamboleka, les
les gens de Mobutu comme Bokata et beaucoup d'autres pendant les 2 années que je ne serai pas. Je crois qu'on fera connaissance, on nuera des relations qui sont restées intéressantes jusqu'à la mort de certains d'entre eux. Je ferai aussi connaissance en dehors de la prison avec des hommes politiques comme Bobolico, comme l'ancien l'éternel ministre Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Je les fréquenterai chez eux. J'apprendrai beaucoup en ce qui concerne l'histoire politique du Congo, le comportement de l'homme politique. J'en recevrai également beaucoup de conseils. Et l'autre personne qui m'aidera beaucoup dans la maturation politique, ça sera Madame Zouzi Wambombo, Catherine. Je pense que ce que l'on peut dire, que tout le monde dit, à l'intérieur comme à l'extérieur, que de manière générale, le politique congolais d'hier comme d'aujourd'hui n'a pas réalisé le souhait de Lumumba dans l'hymne national, bâtir un pays plus beau qu'avant. Nous avons travaillé pour détruire le pays, pratiquement dans tous les domaines. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le pays est pratiquement en lambeaux dans tous les domaines. Si hier, on a eu des hommes politiques sans grande expérience politique, mais dont l'âge permettait quand même qu'ils se comportent en sage. Après, on a beaucoup de jeunes gens qui font pratiquement de l'aventure en politique, qui parlent beaucoup et qui n'ont pas d'idéal. Ils cherchent de l'argent, ils ne cherchent pas le pouvoir. Ils ne réfléchissent pas comment développer leur pays en tant que pays, comment imposer le Congo sur l'échiquier international. Et quand vous lisez la presse nationale comme internationale, ce qui revient le plus souvent, c'est le détournement des deniers publics, sans vergogne. Et pour parler de la destruction, je crois que l'arrière-pays n'existe pratiquement plus. De plus en plus, le pays se résume à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est la Gombe limitée. Les différentes cités sont en destruction très avancée.
C'est ça le spectacle que nous offrons. Nous sommes devenus tellement faibles que, alors qu'on était craint du temps de Mobutu, sur le plan de l'armée par exemple, aujourd'hui, font main basse sur notre pays à cause de notre irresponsabilité qui a été résumée par un homme de la presse comme vous, Monsieur Mutinga, modeste, la République des inconscients. Nous sommes effectivement devenus une république d'hommes inconscients, des politiciens comme la population, et la population comme les politiciens. Nous avons été présentés sur des calicots lors de la révolution burkinabé en ces termes. Blaise, si tu veux d'un troisième mandat, va au Congo-Kinshasa, où le peuple est abruti par les pasteurs et les musiciens. C'est dur, mais c'est une réalité. Va au Congo-Kinshasa. L'étudiant d'hier était étudiant. Il raisonnait pays, il suivait l'évolution, il avait un point de vue à émettre sur la direction du pays, les organisations étudiantines comme la GEL à Kinshasa, à l'UNILU, et ailleurs, avec l'UGEC, l'étudiant était très mûr. Il dictait même une ligne de conduite aux politiciens congolais. Et c'est pour cela qu'on a fini, lors de la révolution culturelle en Chine, qui s'est répercutée ici, en juin 69 et à juillet 71, Mobutu a dû fermer
les universités, craignant d'être basculées par les étudiants. L'étudiant d'aujourd'hui, non seulement il ne pense plus pays, d'abord le niveau d'études a beaucoup baissé et continue à baisser. L'étudiant d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre terme pour l'appeler, on l'appelle quand même étudiant. C'est des petites revendications pour les manger. Il n'est pas très différent de Kuluna, même dans son habillement, même dans son raisonnement. Il y a d'abord le recul qu'accuse le pays dans tous les domaines. Il y a la légèreté de l'homme politique. Il y a les conditions sociales de l'enseignant. Il y a les conditions sociales de l'étudiant lui-même. Il y a de manière générale le fait que les Congolais ont cédé à la loi du moindre effort. Les étudiants, en tout cas la plupart d'entre eux, dans toutes les facultés, sont devenus de moins en moins travailleurs. Ils veulent marchander le point, les obtenir gratuitement, tricher, appliquer le système de COP. Il faut dire que ce n'est pas seulement à l'université, vous avez ça à l'école secondaire, avec les diplômes d'État, qui sont des chèques sans provision, même à l'école secondaire et dans les écoles maternelles. Vous avez ça aussi dans d'autres secteurs, le secteur de la santé et tous les secteurs pratiquement. Le Congo est en baisse. Le politique est grandement responsable en tant que celui qui devait tracer la voie à suivre et prêcher par l'exemple, en tant que celui qui devait Non, le professeur Galel n'a jamais été chef de travaux, je l'ai dit. Il est passé d'assistant à professeur, professeur associé jusqu'à l'éméritat. Bon, comme émérite, il est content. Content d'avoir gravi tous les grades grâce au travail, au secret du travail, grâce au fait de remplir toutes les exigences pour mériter ces grades, les exigences de publication d'articles, les exigences d'enseignement, les exigences de publication de livres. Il faut aussi mentionner le fait que en 87, grâce à une série de conférences prononcée en Italie, à l'Académie de la paix, le professeur Kalele sera gratifié
de deux disques, 33 tours, et il sera proclamé savant en Italie. Donc aujourd'hui, devenir professeur émérite, c'est un couronnement d'une longue carrière. Parce que vous devez publier, vous devez former des homologues. Et en termes de formation des homologues, j'en ai déjà formé 5, dont 2 femmes. Donc, je crois que vous devriez pouvoir applaudir avec moi et m'offrir un cadeau pour le travail que j'ai fait. Oui, je crois que je me répète, je me réjouis du dernier grade, l'émérita. Je me réjouis de l'ensemble de ma carrière académique. Je recommande aux jeunes qui viennent après de travailler pour mériter la même chose, la même promotion. Le grand fétiche en cette matière-là, c'est le travail. L'université partout au monde ne forme pas des enseignants. Elle forme des chercheurs. En matière de recherche, je vais continuer à faire mes recherches. Je crois qu'à la fin de ce mois, je vais publier 2 livres qui sont en chantier. Donc les recherches... Non, je ne peux pas me reposer. Mais pour ce qui est de la situation politique de mon pays, je déplore, comme beaucoup de compatriotes, la situation que nous sommes en train de traverser, dans laquelle le pays s'enfonce de plus en plus. Il est difficile à comprendre qu'un pays comme le Congo, scandale agricole et géologique, avec tout ce qu'on a comme fleuve, rivière et temps, nous en soyons aujourd'hui à manquer de l'eau, à manquer de courant électrique, à manger de manière horoscopique. C'est triste. C'est extrêmement triste qu'un pays comme le Congo, avec tout ce dont il dispose comme richesse, ait reculé jusque à l'époque de l'esclavagisme. Vous avez beaucoup de Congolais qui travaillent, qui ne sont pas payés pendant des mois, pendant des années. L'État sait qu'ils travaillent et leur remet à la fin du mois un bulletin de paye avec 000. Pendant des mois, on est incapable de payer ses propres citoyens. Ça, c'est extrêmement triste. Mais les gens se battent pour devenir ministre dans tous les gouvernements et cette situation continue à perdurer, à s'empirer même. Il faut que quelque part,
surgisse un sentiment de fierté, d'orgueil pour sauver le pays. Nous sommes à la risée du monde entier. Qu'est-ce que nous avons fait? Évidemment, on dit la grande faute, c'est l'homme congolais. Cet homme ne semble pas être à la hauteur de sa tâche. Il parle, il promet, mais pour mentir et voler. Oui, votre chaîne, je l'ai découverte tard, grâce à un des mécaniciens qui m'a mis en contact avec vous. J'ai fait un certain nombre d'émissions à travers votre chaîne. Les échos que j'ai eus chaque fois ne m'ont pas déplu. Bien au contraire, c'est une chaîne qui est très suivie et les gens y font des analyses pointues. Je vous invite à bien choisir vos intervenants pour l'honneur de la chaîne. Je n'ai jamais rencontré le propriétaire de la chaîne. Je le connais de renom à travers aussi les commentaires qu'on m'en fait après chacune de mes émissions. Je vous invite à lui transmettre mes compliments, mes encouragements, parce que au travers de sa chaîne, il est en train d'abattre un travail louable pour le progrès du pays. Je m'en rends compte au nombre d'appels que je reçois après chaque émission. Je souhaite vivement que nous puissions nous rencontrer un jour pour échanger face à face. À vous-même, je vous vois toujours là avec votre caméraman. J'ai aussi beaucoup de compliments qu'on me prie de vous transmettre après chacune de nos émissions. Je vous invite à aller de l'avant. Comme j'ai eu à le dire à vos collègues journalistes, on ne fait pas le journalisme pour avoir la pension en journalisme. On fait le journalisme pour monter de plus en plus. Vous savez qu'il y a des hommes politiques qui sont devenus hommes politiques, qui sont devenus grands, qui ont eu à diriger leur pays à travers le journalisme. Ça vous aide à vous faire connaître, mais à condition à ce moment-là de préparer très bien vos émissions, de vous documenter très sérieusement, vous avez toutes les occasions d'être connu à travers le monde entier, toutes les occasions de monter, toutes les occasions d'être
protéger, parce qu'on ne va pas arrêter comme un vulgaire individu, un grand journaliste, homme ou femme. Le fait que vous ayez une chaîne et que cette chaîne soit très suivie, ça vous protège. Ça vous donne comment est-ce qu'on appelle ça? Ça vous immunise. Il faut en prendre conscience et travailler. Aujourd'hui, je vois dans le pays une floraison des chaînes. Tout le monde a ouvert sa chaîne. Il faut entrer en plein dans la loi de la concurrence qui fait fonctionner la théorie de la sélection naturelle. Les meilleures chaînes vont se distinguer des autres chaînes. Elles seront davantage sollicitées à l'interne comme à l'externe. Longue vie donc à vous-même, à votre chaîne. Félicitations au patron de cette chaîne. Bon, son nom c'est oui, ok, monsieur Odon. Félicitations. Continuez. Nous nous rencontrerons sûrement un jour. Je souhaite que nous ne mourions pas avant de nous avoir rencontrés.